S'inscrire le plus tôt possible, c'est ce qu'ont préféré faire la plupart des étudiants venus aujourd'hui. Comme ça, ça sera fait, on en sera débarrassé et on pourra être tranquille. Et qu'est-ce que vous pensez du système de rendez-vous? C'est pratique? C'est rapide? C'est très bien fait. J'ai inscrit mon autre fille l'an dernier ailleurs et c'est très bien fait. C'est bien organisé, quoi. Faut que tu remplisses pour venir là après. Tu viens avec tout ce que tu as besoin et c'est bon, vite fait. Comme ça, au moins, c'est fait. Et voilà, on peut dire qu'on sera officiellement en vacances. C'est tout fini. Donc, voilà. C'était rapide? Oui, oui, quand même. Bah, déjà, il n'y avait pas de fil là-bas au début, donc c'est carrément rapide et c'est top. Et il te restait quoi? Là, je dois choisir encore d'autres matières pour l'année et après, c'est fini. Pour assurer le bon déroulement des inscriptions, l'UPF a mis en place un système de rendez-vous pris par Internet. Vérification du dossier, paiement des frais de scolarité entre 14 000 et 50 000 francs selon la filière et le niveau, puis c'est l'inscription administrative. Je saisis pour les nouveaux étudiants, ils vont recevoir un nouveau numéro d'étudiant. Ensuite, à la saisie, ils peuvent passer à la photo derrière les deux ordinateurs du fond pour pouvoir récupérer leur carte d'étudiant et leur certificat de scolarité. Ce qui nous guide, c'est la réussite des étudiants. Mais cette réussite des étudiants, elle ne peut arriver que si l'étudiant lui-même fait l'effort nécessaire pour se mettre dans les conditions de la réussite. Et les conditions de la réussite commencent par une inscription dans les temps. Une seconde session d'inscription aura lieu du 12 au 21 août prochain. Attention pour les nouveaux bacheliers, aucune inscription ne sera prise au-delà du 25 août, date de la rentrée universitaire.